Bonsoir à tous, les signes de Capricorne, votre carte. Alors, l'étoile, l'espoir, la foi, vous cherchez la force, lumière intérieure et faites un souhait côté spirituel, soit vous demandez à votre ange, votre guide, Dieu, demandez qu'est-ce que vous voulez, c'est un souhait. Vous restez un message, vous restez une réponse, un début, quelque chose, commencement, quelque chose. On verra avec la carte de l'ermite aussi, qu'elle cherche lumière intérieure, qu'elle cherche peut-être côté spirituel, quelqu'un qui aime la solitude, qui aime libre, qu'elle cherche aussi parfois distante, quelqu'un qu'elle prend beaucoup le temps, qu'elle prend pas les choses, les décisions rapides ou quelque chose qu'elle fait, quelqu'un qui a beaucoup l'expérience, quelqu'un sage. Alors, il y a quelque chose qui vous cherchez la stabilité dans votre vie, stabilité parce que peut-être vous êtes enlevé à partir de l'étranger, sa sortie, mais peur de trahison. Peur de trahison si vous partez l'étranger, parce que vous êtes peur de ne pas trouver votre stabilité. Peut-être ça, c'est votre pensée, que vous pensez si vous êtes parti l'étranger, vivre là-bas ou faire votre vie. Vous êtes peur de trahir. Mais la carte, la chance, est peut-être la chance pour vous si vous décidez partir et prendre cette décision. Pour vous, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Vous êtes protégé. Malgré, vous êtes peut-être peur partir à l'étranger ou faire votre vie à l'étranger ou faire un travail avec l'étranger ou un projet. Si vous essayez toujours protégez-vous, mais il y a une chance pour vous. Il y a un début quelque chose, il y a une nouvelle de quelque chose. Vous recevez une nouvelle de quelqu'un, une nouvelle de une personne. Alors la carte de solitude, voyez là, l'ermite c'est toujours seul, qu'elle prend beaucoup de temps pour la méditation, quelqu'un qui aime marcher. Il aime la forêt. C'est peut-être quelque chose qui était l'hiver, que vous attendez, les choses bougent pour vous. Ça va bouger pour vous. Il y a un commencement, les choses bougent. Si vous êtes vraiment dans le passé bloqué, il y a un contact, l'échange, il y a les choix à faire. Si vous êtes enlevé partir à l'étranger, vous tendez peut-être partir à l'étranger, peut-être c'est l'hiver passé que vous êtes resté longtemps pour prendre ce choix. Pour moi, c'est une femme qu'elle contacte avec vous. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, il y a beaucoup de contacts, l'échange, les contacts avec l'Internet, soit par l'étranger, beaucoup de communication avec quelqu'un. Vous rencontrez les gens, vous faites un choix. Un choix, vous recevez un message et c'est l'essence pour vous. Ça a commencé une nouvelle essence, une nouvelle purification. Pour vous, c'est un changement complètement. Il y a une révélation, vraiment, les choses commencent à bouger. Il y a un partage, il y a une communication, il y a un dialogue avec quelqu'un, un nouvel choix à faire, peut-être partir à l'étranger. Encore l'échange, les contacts, les professionnel que je vois beaucoup et la justice. Seulement, besoin de prendre cette décision, trancher quelque chose que vous êtes prête à faire ou un nouvel contrat de travail, une nouvelle signature, un nouvel projet. Peut-être c'est préparer les choses tranquille, vous êtes prêt beaucoup de temps. Il y a une nouvelle naissance pour vous et la justice, c'est vraiment quelque chose de positif. Si vous voulez un projet, si vous voulez un nouvel contrat de travail, un nouvel peut-être acheter une maison à l'étranger,
faire un projet à l'étranger, soit quitter les pays, changer. C'est dans votre état d'esprit. Il y a une peur qui bloque, c'est pour ça que vous êtes pris beaucoup de temps par cette décision, parce que vous pensez, si vous partez à l'étranger, peut-être vous êtes peur de trahir ou perdre votre stabilité, et vous cherchez à protéger votre projet, votre idée, votre vie, mais ça commence vraiment par les gens qui veulent partir à l'étranger, qui est une nouvelle licence pour vous. Retour les contacts, soit professionnels, beaucoup les contacts, soit un projet, soit un déménagement, vivre à l'étranger. Vous êtes obligé de faire ça. Vous sortez cette peur, vous commencez à confiance à vous pour faire ce projet et avancer. Parce qu'il y a beaucoup de contacts avec les gens, vous demandez le conseil, vous demandez peut-être un avocat, quelqu'un de loi pour partir à l'étranger, pour régler les papiers, les choses comme ça. Je vois, c'est positif. Et les messages que vous attendez, c'est une nouvelle pour peut-être une signature de contrat, une signature à une maison, une signature d'un projet que vous voulez faire, un crédit, quelque chose de positif. Hein. Votre souhait, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est les souhaits réalisés. Tout ce que vous désirez, ça va réaliser les signes de Capricorne. Alors, vous, si vous aimez partager, abonnez-vous.